Actuellement là, avant mon utilisation wallet, première question posée c'est à qui taux nous vend USDT, à qui taux nous vend Tron, à qui taux nous vend Bitcoin, à qui taux nous vend Ethereum, Solana, blablabla. Ok, mais est-ce que nous sommes sûrs que ces questions ça pour nous poser? Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue sur Channel Paradox TV, c'est Christopher. Dans la vidéo aujourd'hui, nous allons parler de ça facile. Nous allons parler de frais, transactions, de taux, parce que en pile là, nous a posé question ça et en pile là, nous qu'on était sans réponse. Ok, so pendant ma précédente vidéo ça nous 2 juin, ok. Alors par contre, qui l'aura regardé vidéo ça ou même dans le futur, sur le 15 juin, sur 2024 ou bien juillet, par contre. Mais actuellement là, nous allons parler frais, ça facile, taux, tout bagage net dans vidéo ça. Avant que nous commencions ma vidéo, un like, abonnez-vous pour vous faire ça et puis partagez avec vos amis. Quand utiliser ça facile, guitare, mais qu'on est comment ça est, comment frais. Oui. Ok, nous allons parler de frais de transfert, nous allons parler de frais de dépôt, nous allons parler de frais et frais retrait. Ok, nous commençons avec frais de dépôt. Pour commencer, les quoi vouer mon cash sous ça facile, les quoi vouer notre cash sous ça facile. Les quoi vouer USDT sous sa facile. Les quoi vouer Tron sous sa facile. Frais c'est 0%. 0 barré. Ça veut dire soumettez 100 goud, vous recevez 100 goud. Soumettez 50 goud, vous recevez 50 goud. Soumettez 50 000 goud, vous recevez 50 000 goud. Soumettez 100 000 goud, nous comprenons. Et USDT a pareil. Tout pareil. Soumettez 100 USDT, vous recevez 100. Pour Tron, soumettez 50, vous recevez 50. Vous mettez 2000, 100 000, 50 000, 100 000 USDT, 100 000 Tron, vous recevez quantité que vous mettez. Et là que vous swappez, 0%. Ok, nous finissons là avec dépôt. Quand nous allons parler de transfert, dans ce moment-là, nous avons plus fait transfert USDT et transfert Tron. Là, vous voyez USDT aller. De ça facile. Ayon l'autre toilette, frais c'est 2 USDT. Ni pas sous pourcentage. Nous mettons 2 USDT qui c'est frais réseau. Nous apprenons frais X, nous apprenons frais Y. Ok? C'est 2 USDT. Li. Avec dit, soit vous 50 000 USDT, nous apprenons 2 graines USDT. Vous avez 100, 2 après pour nous, 98 pour aller. Ok? C'est frais transfert USDT. Ou Tron lui-même. Soit vous et Tron aller, frère, c'est entre 4 et 5 Tron. Parce que Tron, dans un moment là, la montée descend, ça va arriver au fond, transfert Tron là, frère 4. Au café là encore, les 5. Ok? Mais le plus souvent, le 4. Avec dit frère Tron, c'est. Avec dit sous vous et 50 Tron aller, on apprend 4. 46 pour aller dans wallet ou vous là. Ok? Parmi les deux, nous allons à dépôt 30-0. Transfert à lui-même, c'est 4. Ok. Nous finissons là avec transfert. Nous sommes 4 minutes de vidéo. Nous finissons là avec frais transfert. Nous allons rester jusqu'à la fin. Pour qu'on ajoute tout détail. Ok. Kounia, nous allons parler de retrait. Lorsqu'on fait dépôt USDT ou bien Tron, vous voyez ça facile. Ou voulez-vous sur mon cash? Pour a faut USDT a passé de faut les swap. OK? Nous pas prend aucun frais sur swap là. D'ailleurs, système n'a tout converti USDT en good pour ou pas grand pile travail ou pas le fait que c'est que aller sous section wallet là et puis entrer dans mon cash pour voir pour faire demande là. OK? Avait dit conversion USDT en good là li fait automatique ou pas n'en faire rien. Ok. Frais à lui-même, c'est 3%. Frais retrait mon cash là. Avait dit, si vous voyez 100 goud, en fait, et 1000 goud liés pour le moment, minimum retrait, n'a pas pensé pour descendre. Ok. Alors, nous n'avons pas besoin de dire, n'a pas pensé pour descendre. Si vous voyez 1000 goud, n'a pris 3% dans 1000 goud là. Et si ma garde moi là, regardez, et si me fait 1000 moins 3%, avait dit, on prend
c'est 970 gouttes qui va jouer nous. OK, en fait 970 ça va aller parce que digicel a prend 30 gouttes. OK, avait dit a fait 970 et puis digicel a prend pal. Digicel qui a prend 30 gouttes, elle dit 940 gouttes t'a supposé à joindre nous le va faire retrait. OK, et digicel pas prend frais ou pas pourcentage. Alors si que autant de digicel prend frais pas pourcentage, c'est ça nous pas connait là. Avec nous-mêmes digicel pas prend frais ou pas pourcentage. OK, digicel prend ou pas tranche. Ça veut dire de 100 à 1000 good, il prend 30 good. Ça le femme da pas mal garder moi. OK, ouais. De bon, comme 1000 good pas nous, hein. De 1000 good à 1999 good, digicel prend 30 good. De 2000 good à bon tout mettre 4000 good, donc à 3999 good en fait, c'est 40 good. OK, alors on va poser vidéo pour regarder comment digicel prend frais. Digicel pas prend frais dépôt sur pas pourcentage. OK, avait dit soit vous et 970 goud là nous prend 3% et puis digicel lui-même la prend pas, ça que nous pas responsable, nous pas responsable ça. OK, yon plateforme qu'a choisi vend USDT à qui ont taux qui c'est 150 goud, 154 goud, mais gon anak del guys, nous-même actuellement là nous vend 165. OK, nous soit pour charger compte ou on va payer 165 gouttes pour lui. Gagne des wallets internationales que moi d'après les que moi pour connait dans domaine époque sécuritaire, m'd'a chercher wallet pour me tirer comme gagne sur sécuritaire pour me voir sur mon cash moi. Tout le monde dit c'est tête chargée, yo tout couper senti comme là. Ça t'est venu faire hésiter, c'est une raison qui t'a faire ça facile. Créer parce que devine constater que bagala red guys, devine constater bagala red li red tellement wallet en Haïti yo casser kou comme là depuis en l'air rien pas venir genou comme si vous retirez 1000 gouttes exemple et comme si vous retirez 1000 gouttes là et pour 50 gouttes qui viennent genou et côté anak lan par exemple on wallet là dit qu'a choisi vendre USDT à 140 goud. On dit oh gars non PI USDT 140 goud. OK, wa achetel. Kounya, c'est vous USDT ça aller kounya moi wow. Guys, yo ka faut payer même 20% frais. Ou comprendre ça me dire? Yo ka faut payer même 20% frais. Ouais, me dit pourcent, avait dit un pourcentage. Tant ou voyez plus, frais à plus. Avait dit 50 goud ça toi t'ya 20% frais à couvrir. Elle dit comme là couvrir longtemps. Nous même nous pas faire comme ça. Nous mettez tout nous 165 et puis nous mettez frais nous de USDT. OK? So, ma fini vidéo là. Pas j'aime si ça apprendre, c'était Christopher. So, utilisez ça facile, par contre, qui soit obtenu pour l'utiliser. Dans moment là, c'est nous lié, c'était Christopher, on a croisé dans l'autre vidéo. Peace.